Merci à vous. Merci. Mes chers amis, d'abord merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu dans cette campagne. Mais au-delà, merci à chacun et à chacune d'entre vous d'être là aujourd'hui. Merci pour l'image que vous renvoyez de notre mouvement, une image d'unité, une image qui est à milieu des déchirements traditionnels des partis politiques que nous voyons habituellement pendant ces phases d'élection. Et c'est cela que nous devons. Nous le devons à nos adhérents, mais nous le devons aussi aux Français. Et je le dis clairement, cela sera une de mes lignes rouges à tous les échelons de notre mouvement. Je voudrais également remercier l'équipe qui a organisé cette belle journée. Je voudrais remercier les bénévoles, les membres du QG, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée ce qu'elle est. Elle vous ressemble, elle est bienveillante, elle est dynamique, il y a un souffle de jeunesse. Merci à vous, merci pour ce que vous apportez, particulièrement depuis 18 mois. Je crois que chacun ici est redevable de cela. Merci pour vous. Merci à chacun et à chacune de mes prédécesseurs. À Richard, cher Richard, merci pour ton leadership. À Catherine, merci pour ta bienveillance. À Astrid, à Barisa, à Arnaud, merci pour votre dévouement totalement désintéressé. À Christophe Castaner, qui aujourd'hui assume des responsabilités éminentes, ô combien éminentes dans cette journée. Merci à distance, cher Christophe, au nom de toutes celles et ceux qui ont vu que tu as toujours porté la voix de la République en marche partout où elle était appelée. Merci à toi. Et enfin, Philippe, merci. Je te l'ai dit, c'est un honneur que de te succéder. Merci à toi qui a fait l'unanimité. Merci aux ministres d'État, aux ministres qui sont là aujourd'hui. Je voudrais vous remercier chacun individuellement, mais cela serait trop long, mais croyez bien que le cœur y est. Et puis, je le redis, merci à toi, Joachim. Merci pour cette touche de magie que tu as apportée dans cette campagne. Ça, c'est une private joke. Pour ceux qui ont regardé les débats, ça se mérite une private joke, il faut le comprendre. Et puis, merci à Pierre. Je sais que certains d'entre vous auraient souhaité que Pierre fût candidat. Pierre, tu as placé tes convictions au-dessus de tout le reste. Tu as démontré, si cela en était encore besoin, que tes valeurs sont à l'unisson de notre mouvement. Je te le dis, tu es indispensable à notre mouvement. Et je me réjouis que nous puissions travailler dès lundi, ensemble, à faire grandir ce mouvement. Je proposerai d'ailleurs au bureau exécutif de te nommer directeur général adjoint, délégué général adjoint de notre mouvement. On a besoin de toi. Et merci enfin, et c'est un enchaînement qui va te plaire, Pierre, aux jeunes avec Macron. Ils sont aujourd'hui dans un interjam. Mais je sais qu'ils sont là aussi. Merci à toi, Martin. Je ne sais pas où tu es, Martin, mais il est là. On peut l'applaudir. Merci à toi de diriger avec brio les jeunes avec Macron. Vous êtes bien plus ce que les jeunes sont parfois dans les organisations politiques. Vous n'êtes pas la caricature de vos aînés, vous en êtes l'avant-garde. Et je sais
que je peux compter sur vous aujourd'hui et pour les années à venir. Grâce à vous tous, toutes celles et ceux qui êtes présents ici, les membres du Conseil, nous disposons aujourd'hui des fondations pour continuer à renforcer et à faire grandir notre mouvement, La République en marche. Vous le savez mieux que personne, au cœur de notre identité, il y a l'écoute. Souvenez-vous de la Grande Marche. Mais nous ne voulons pas écouter pour écouter, nous ne sommes pas un institut de sondage, un département de sciences sociales. Nous voulons écouter pour comprendre et transformer la réalité. Nous l'avons toujours dit comme ça. Nous voulons écouter pour gagner le droit d'être entendu. Alors, si l'on tend l'oreille aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? Je vais commencer, si vous le voulez bien, par le moins important, c'est-à-dire moi-même. J'entends, ici ou là, que je serais trop inexpérimenté, pas assez cogneur, pas assez politique. Mais je vais vous dire, mes amis, moi je suis heureux de ne pas me voir affublé des défauts qui ont conduit les dirigeants politiques depuis 30 ans à la faillite de leurs convictions et à la faillite des partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Parce que je vous propose de traduire. Trop inexpérimenté, ça veut dire que je n'ai pas passé 20 ans à éliminer sciemment, patiemment, tous mes adversaires politiques pour penser le coup d'après. Trop peu cogneur, cela veut dire que je suis moins intéressé par l'idée d'assommer mon adversaire politique que de convaincre les Français, parce que c'est là l'essentiel. Et trop peu politique, cela veut dire que je ferai passer toujours l'intérêt général avant mon intérêt particulier et toujours l'intérêt de mon pays avant même celui de mon parti. Voilà ce que ça veut dire. Bref, je vous avoue que je suis toujours aussi surpris qu'en 2018, 18 mois après l'élection présidentielle, il y a encore des observateurs ou des personnages de la vie politique pour considérer que la sincérité, c'est une faiblesse, pour considérer que le fait d'avoir eu une vraie vie avant, et je vous rassure, je voudrais aussi avoir une vraie vie après, ça soit une faiblesse. Mais je vais vous dire, ce qui est ma force, c'est notre force collective, c'est notre sincérité pour le projet que nous portons, notre sincérité à vouloir transformer notre pays pour chacun et pour chacune. Voilà ce que c'est ma force et voilà comment je le porterai pour la suite. Mais assez parlé de moi. Qu'est-ce qu'on entend d'autre, si l'on tend l'oreille, sur La République en marche, par exemple ? L'on entend que nous serions un parti en déshérence, que notre mouvement serait incapable de devenir un parti. Mais posons-nous la question une seconde. Que sont-ils devenus, les partis qui avaient, comme nous, gagné la confiance des Français au moment de l'élection présidentielle? Eh bien, c'est simple. Ils ont fini leur état, leur quinquennat dans le même état, déserté et radicalisé, et ils ont connu le même sort, c'est-à-dire qu'ils ont fini aux oubliettes. Nous ne voulons pas cela. Et ceux qui disent cela de nous sont les mêmes qui, en 2016, disaient que ce n'était pas possible que nous soyons 1000, 2000, 5000, 10 000, 200 000. Ce sont les mêmes qui disaient doctement, sciemment, que c'était impossible que nous reportions cette élection présidentielle. Et l'aveuglement qui les frappait alors, eh bien, c'est le même aveuglement qui les frappe aujourd'hui. Et cher Philippe, tu rappelais des chiffres essentiels. Je veux en ajouter un. Il y a aujourd'hui 100 000 adhérents qui sont des adhérents actifs dans nos comités locaux. Et c'est un think tank indépendant qui a mené cette enquête. Et d'ailleurs, quelle autre formation politique aurait fait confiance, aurait fait cet acte de transparence que de mener cette enquête? Eh bien, cela, ça vaut. Qui pense que nous sommes capables
de mener des opérations comme la Grande Marche pour l'Europe. Et je ne veux pas énumérer ici toutes nos fiertés locales ou nationales. J'en ai vu tant et tant quand je suis venu à votre rencontre pendant cette campagne. Alors non, notre mouvement n'est pas en déshérence. Mais oui, il n'est pas devenu un parti. Parce que nous voulons rester un mouvement. Quelle est la différence ? La différence, c'est que les élections pour nous, ce n'est pas une fin, mais c'est un moyen pour transformer le pays. La différence, c'est que nous ne croyons pas que la politique, ça soit l'affaire des élus, mais nous croyons profondément que la politique, c'est l'affaire de tous, des citoyens et des citoyennes, et qu'elle nous concerne tous et toutes, chacun dans notre vie, dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, est-ce à dire pourtant que tout va bien dans notre mouvement ? Non. Et si j'étais devant vous et je prétendais cela, eh bien je ferais preuve de la même cécité que je dénonçais à l'instant. Il faut le dire, et je crois que être capable de se regarder en face, c'est aussi une qualité dans la vie politique, et elle n'est pas tellement partagée. Donc regardons-nous en face et disons-nous les choses. Oui, nous ne sommes pas totalement là où nous voudrions être. Il y a trop de doutes, trop de découragements, trop de petits renoncements, trop de petites défaites. Au fond, trop de distance avec ce qui est notre identité profonde. Mes amis, je vais vous le dire comme je le pense. Je pense que la source de tous nos maux internes est la même. Nous avons parfois perdu le sens de nos adhérents. Vous qui avez fait la campagne présidentielle, vous savez que notre victoire, la première raison de notre victoire, ce n'était pas un alignement des planètes magiques comme certains observateurs ont voulu nous le faire croire, non. La première raison de notre victoire, c'était notre mouvement. Et notre mouvement, ce sont nos adhérents. J'ai fait campagne auprès de vous. Autour de la nécessité de renouer avec notre ADN. Or, notre ADN, ce sont nos adhérents. Pendant la campagne, nous ne les avons jamais considérés comme de la chair à canon, comme des machines à distribuer des tracts, mais nous les avons toujours considérés comme des ambassadeurs, comme des acteurs opérants de la vie politique en France, en métropole, en Outre-mer et même à l'étranger. Toute la campagne, et oui. Et vous êtes venus de loin. Merci d'être là aujourd'hui. Toute la campagne était tournée vers eux, sur cette nécessité de les équiper pour qu'ils puissent convaincre autour d'eux. Il n'y a pas de meilleure manière de convaincre les Français que de le faire grâce à d'autres Français. Voilà notre recette magique. Nous en connaissons tous la formule. Mais depuis, nous avons parfois manqué à nos adhérents. Ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous est redevable de l'ensemble de la politique qui est portée par cette majorité et ce gouvernement. Chacun. À chaque débat, à chaque polémique, c'est le même feu roulant de questions que nous vivons auprès de notre famille, de nos proches, de nos collègues, bref, auprès de tous ceux auprès de qui nous avons fait campagne. Et je crois que nous devons reconnaître lucidement que nous n'avons pas permis à nos adhérents de revendiquer et d'expliquer toutes les avancées que nous avons obtenues depuis le début de ce mandat. Et si l'on se dit les choses, nous ne les avons pas non plus assez expliquées pour se défendre quand nous avons traversé quelques polémiques. Je vais le dire avec mes mots, et j'emprunte cette métaphore footballistique à d'autres qui l'ont fait avant moi. Je crois que nous n'avons pas suffisamment donné à nos adhérents les armes pour valoriser les buts que nous marquions, et il y en a eu de nombreux, ou pour se défendre quand nous encaissions quelques buts, il y en a eu aussi. Et je veux le dire clairement devant vous, c'est la première mission que je m'assigne, faire en sorte, être le garant, qu'il n'y ait jamais d'adhérent, qui soit dépourvu des explications en temps réel pour comprendre, et s'il le souhaite, pour justifier la politique que notre mouvement mène. Et c'est un défi qu'aucune formation politique n'a su relever dans la durée.
Et pour cela, c'est très simple. Il faut donner la règle, dire que notre organisation doit être au service de chacun, que chaque échelon dans notre mouvement doit être au service de l'échelon intérieur. Le siège est au service des comités locaux et ça ne sera jamais l'inverse. Au service de ceux qui veulent s'engager et au service de celles qui veulent s'engager. J'ai eu l'occasion de le dire pendant la campagne. Nous devons aller plus loin, accélérer encore les choses pour mettre davantage de moyens pour que les femmes puissent s'engager davantage dans la vie politique de notre pays. Nous portons cette grande cause. C'est la grande cause du quinquennat, chère Marlène. Eh bien, il faut que ça soit aussi la grande cause à l'intérieur de notre mouvement. Et Marlène, je sais que cette cause et bien d'autres, tu la porteras avec nous. Et j'en suis fier et j'en suis heureux. Merci. Vous l'avez compris, le cœur de mon projet, c'est de redonner à nos adhérents la place qui doit être la leur, c'est-à-dire pas à la base de notre organisation, mais au sommet de notre organisation. Et c'est la condition pour réussir l'implantation dans tous les territoires que nous appelons tous de nos vœux et que nous avons parlé, dont nous avons parlé pendant cette campagne. Mais je crois qu'un autre élément qui doit caractériser un mouvement politique, ça doit être de consacrer toute son énergie, non pas à ce qui se passe à l'intérieur de notre mouvement, mais de ce qui se passe à l'extérieur de notre organisation. Et qu'entendons-nous quand nous regardons la France en 2018, dans ce mois de décembre, et particulièrement dans ces moments de mobilisation des Gilets jaunes? Eh bien, nous entendons que le compte n'y est pas encore. Ce n'est pas parce que le constat qui a mené notre action était faux. Au contraire, je crois que tous ceux ici qui ont mené la Grande Marche retrouvent dans les expressions que nous entendons ces derniers jours exactement ce qui nourrissait à l'époque, c'était il y a 2 ans et demi, nos conversations. Et je crois que tout ceci se résume très simplement par une formule qui n'a pas pris une ride. Les Français ont le sentiment de mener des vies empêchées. Voilà ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et je crois que si le compte n'y est pas, ce n'est pas non plus parce que la promesse que nous avons portée était la mauvaise. Au contraire, la seule solution à ces vies empêchées, c'est la remise en mouvement de notre société. La seule manière de permettre à chacun de cesser de subir sa vie, c'est de l'équiper des armes indispensables, de s'éduquer, de se former, chère Muriel. C'est lui apporter les éléments de solidarité essentiels pour qu'à chaque fois qu'il tombe, il puisse se relever. C'est de définir les règles de fonctionnement pour que notre société ne soit plus une société de statut, ne soit plus une société de piston. Voilà, c'est ça notre projet. Et je crois qu'il reste plus que jamais le bon. Alors, si le compte n'y est pas encore, eh bien c'est simple, c'est parce que les choses n'ont pas encore suffisamment changé et que ce changement n'est pas suffisamment encore assez perceptible, assez tangible. Et c'est là que notre mouvement doit trouver sa pleine utilité pour identifier tous les points qui ont été votés et qui ne sont pas encore suffisamment appliqués, pas suffisamment rapidement, et il y en a de nombreux, pour contribuer à ce que les Français puissent se saisir des opportunités qui leur sont offertes, des nouvelles opportunités. Si jamais nous réussissions à faire mieux coïncider l'offre politique avec les besoins de chaque citoyen, eh bien les choses iraient beaucoup mieux dans notre société. Et ça c'est le cœur de notre mission. Et c'est aussi, Philippe le disait, de faire changer concrètement les choses, bien sûr en proposant des idées, mais aussi en changeant d'échelle par rapport au projet citoyen que nous menons. Soyons utiles. Soyons utiles. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas rester passifs face à cette colère qui s'exprime. Nous avons été certainement, en tant que majorité, trop lointains, trop technocrates, trop sûrs de nous, trop sourds parfois.
mais nous ne devons rien lâcher pour faire en sorte que cette colère, nous la transformions en solution pour apporter des réponses concrètes aux Français. C'est ça qu'ils attendent. Ils n'attendent pas un psychologue, ils attendent un médecin pour régler leurs problèmes. Et ça, c'est notre mission. C'est ce qui doit nous animer pour les mois qui viennent. Et c'est pour ça que nous allons nous mobiliser. Oui, nous allons nous mobiliser en tant que mouvement pour saisir cette grande consultation écologique et sociale qu'a annoncée cette semaine le président de la République. D'abord, je souhaite que nous mobilisions toutes nos ressources, tous nos experts, pour former, pour équiper chaque marcheur qui le souhaitera, pour lui donner les éléments nécessaires, pour lui permettre de comprendre, pour défendre ce que nous faisons, pas pour expliquer les politiques publiques telles qu'elles se plaquent sur la vie des Français, pour dire ce que nous faisons en partant de la situation réelle, en partant des cas particuliers des Français, tels qu'ils vivent les choses. Et puis, il faudra aussi que nous allons chercher les idées là où elles sont, dans nos territoires, dans nos entreprises, dans nos associations, auprès des praticiens, là où aucun dispositif gouvernemental ne pourra aller, là où aucun dispositif gouvernemental n'est jamais allé. En allant écouter aussi ceux qui voudront dialoguer avec nous, ceux qui viendront vers nous, surtout, surtout s'ils portent un gilet jaune, en allant là où la politique ne va plus. Et nous nous attellerons à ce travail. Nous nous attellerons au travail qui est au fond le travail le plus difficile. Le travail qui consiste à partir des solutions locales et de voir si nous pourrons en faire des propositions qui se transforment en politique publique. Et si nous relevons ce défi, alors je remettrai ces solutions au Premier ministre, directement, personnellement, sans intermédiaire, sans passer par son cabinet. Il faudra lui remettre ces solutions. C'est ça notre mission dans les mois qui viennent. Et je le dis, cher Gilles, cher président du groupe parlementaire à l'Assemblée, cher François, président du groupe parlementaire au Sénat, ce travail, il faudra que nous le menions ensemble. Et je sais que vous y êtes prêts, parce que les députés et les sénateurs, ils sont au cœur de notre mouvement. Nous le ferons ensemble. Et je sais que vous avez déjà commencé à travailler. Vous l'avez compris, la deuxième mission que je me fixe, au fond, c'est de faire sortir la République en marche d'elle-même. C'est d'aller partout où la politique ne va pas. Je veux dire aux Français, plus vous êtes loin de la politique, plus vous êtes important pour nous. Plus vous êtes en difficulté, plus nous voulons trouver des solutions. Moins vous y croyez, plus nous allons essayer de vous convaincre. Mes amis, cette responsabilité énorme, celle d'ouvrir finalement le deuxième acte du retour des citoyens à la politique, cette responsabilité, elle nous incombe dans une période hors norme. L'Europe. L'Europe, cette construction des peuples qui semblait acquise, cette construction est en train de vaciller. Et je le dis clairement, nous devrons jeter toute notre force en France et dans l'Union pour que les élections européennes, ces élections de la dernière chance, donnent enfin à l'Europe les moyens d'agir en matière d'immigration, en matière de protection de nos frontières, en matière de numérique, en matière de fiscalité. Il est vain, pour ne pas dire ridicule, que de vouloir mener 27 petites politiques publiques les unes à côté des autres. Non, nous avons besoin d'une politique, une politique européenne. Et ce sera ça l'enjeu de l'élection européenne, chère Nathalie. Je sais que tu portes cet enjeu haut et fort depuis des mois. Eh bien, nous le porterons avec toi pour gagner ces élections européennes. Et au cœur des défis que nous devrons relever, il y a bien sûr le changement climatique. Il y a le changement climatique et avec lui,
toutes ces menaces qui pèsent sur notre environnement. Notre défi, c'est de dépasser finalement cette transition économique, celle qui doit permettre à nos entreprises d'aller mieux, de regagner les parts de marché à l'international, celle qui doit faire en sorte que le travail paye mieux, celle qui doit faire en sorte que nos entreprises innovent, que la France se remette à innover. C'est de faire en sorte que cette transition économique, cette transition sociale aussi, celle qui doit nous permettre de sortir de cette société sclérosée dans laquelle il est plus important d'être bien né que de bien travailler à l'école, dans laquelle les études qu'on a fait à 20 ans sont plus importantes que la qualité du travail que l'on mène. Ces deux transitions, économique et sociale, nous devrons les mener de pair avec la transition écologique. Et c'est là le nœud que nous touchons avec les gilets jaunes. Et c'est ce nœud que nous devrons contribuer à défaire. C'est pour ça que je veux vous annoncer ici que nous placerons la transition écologique au cœur de nos priorités pour cette élection européenne. Oui, nous porterons la proposition d'un grand plan pour la transition environnementale et sociale. Mais nous devrons faire en sorte que ce plan, il ne ressemble pas à d'autres plans. Nous devrons faire en sorte que les citoyens européens, ils ne soient pas les laissés pour compte de la transition écologique. Nous devrons faire en sorte que si ce plan, nous voulons qu'il soit compris, qu'il soit utile, qu'il soit choisi par les électeurs, alors nous ne devrons pas nous contenter d'annoncer un grand montant sans dire quelles sont les priorités auxquelles nous devrons répondre. Quelles sont les priorités que les citoyens européens veulent choisir? Est-ce que ce sera stopper la pollution aux particules fines, dépolluer nos sols, réduire les pesticides, arrêter les centrales à charbon, changer les chaudières, faire la mutation de nos parcs automobiles? Nous devrons dire cela. Et c'est cela, c'est comme cela que nous devrons construire ce plan. Oui, les moyens que nous y mettrons devront être inédits, mais nous devrons partir du réel. Et c'est comme cela que nous pourrons aussi sortir l'Europe de sa torpeur technocratique. C'est ça l'esprit de la Grande Marche pour l'Europe que nous devons continuer à faire vivre. Et c'est comme cela que nous pourrons dire à propos de notre projet européen, c'est notre projet. Vous le voyez, la seule ambition que je nous fixe, c'est d'être utile. Pas utile à nous-mêmes. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont sur ce créneau-là. Non, utile au pays. Et ce que je vous propose au fond, c'est très simple. C'est de repartir en campagne. Nous devons repartir en campagne pour regagner à nouveau le quotidien des gens. Nous devons repartir en campagne pour gagner les élections européennes, j'en ai parlé, mais aussi pour gagner les élections municipales, départementales et régionales. Parce que vous l'avez compris, gagner les élections, ce n'est pas pour nous une fin en soi, c'est un moyen pour ensemble continuer à transformer le pays. Voilà le défi que je vous propose. Chers membres du Conseil, vous l'avez compris à travers ce discours qui était déjà trop long, je ne prends pas le résultat de cette élection comme un chèque en blanc. Je le prends comme une permission que vous m'accordez d'être à la hauteur, comme une permission que vous m'accordez de faire en sorte que les mots que j'ai prononcés devant vous aujourd'hui, ils ne soient pas que des mots. Je vous remercie. Vive la République en marche. Vive la République. Et vive la France.